Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Tout le monde t'es blessé dans coup d'âme qui t'est tiré dans section communale Bayonnais qui gagne à ouer avec cousin délégué département de Tibonite là, maître Enoch Genelus. Toujours le sein sécurité, la police de département gagne un citoyen Louis Savoie qui sont citoyens qui ont vu dans la commune de Gonaïve là, il réagit sur une situation ça, quand il demande autorité pour sécuriser zone place d'âme à toute zone cathédrale à Gbomaché communale Gonaïve là. Dans le dossier sécurité, toujours, ancien président, Chambre commerce et industrie pays d'Haïti, Jean-Aubert Agan, dénonce silence complice des autorités face à Zach crassé brisé, pillage qu'a fait chaque jour en dans pays d'Haïti sous entreprise privée. Mais tout, à persécution politique qu'a fait sous quelques entrepreneurs, Jean-Aubert Agan, tout profiter, exiger pour le président Chambre commerce industrie pays d'Haïti, Laurent Saint-Cyr, pour lui-même, pour réagir sur la situation qu'a traversé entrepreneur, quoi il est là, dans Port-au-Prince. Directeur exécutif RNDDH, dans le réseau national cap défendre droit monde, Pierre Espérance continue à dénoncer complètement autorité, face avec chef fédération gang Genève en famille alliée, Jimmy Cherizier alias Barbecue, qui proclamait tête comme chef révolutionnaire, pendant ce temps, l'a crasé brisé dans la capitale pays à Port-au-Prince. Directrice exécutive CJ Laplan, sous Bopal, Jocelyne Colin Noël a dénoncé lui-même tout, violence gang Axam a fait dans le pays, d'après lui, ça fait partie d'un plan bien orchestré par pouvoir en place pour intimider population, qui parle le référendum inconstitutionnel, le président républicain Jovenel Moïse, voulait faire ouais par ouais, dans le pays d'Haïti. Toujours dossier sécurité, c'est lui qui domine l'actualité dans le pays, qui met garde maisonneuve, qui dénonce des actes violence, qui a enregistré pendant le week-end passé dans Croix des Bouquets, les critiques autorité, il dit, qui n'a pas fait un canadien pour capable freiner action bandit, qui continue à imposer droit, faire de l'eau couler dans les populations, chaque jour plus plus. Dans l'ancien magistrat Cafouan, Yvon Jérôme dit qu'il déplore le gouvernement de la police, le fait que il n'a fait aucune intervention pour établir l'ordre dans la zone sud capitale pays, particulièrement dans Fontamara avec Martissan, côté gang Axamio, toujours gain contrôle. Côté population dans la zone, toujours été dans le centre d'accueil Cafouan, il y a tant pour qui ça a dit pour eux. L'autre dossier, direction départementale de la police dans la Tibonite, rencontré lundi 28 juin 2021 avec plusieurs représentants syndicats transporteurs haïtiens, qui ambitieux avec syndicats chauffeurs, propriétaires, taxis, moto, pour capable réfléchir sur le phénomène d'insécurité qui a traversé ville département de la Tibonite et particulièrement ville Gonaïve. Dans ce sens, le président syndicat chauffeur, taxi, moto dans ville Gonaïve, Julio Joachandatus, qui a participé dans la rencontre là, quoique il y a protocolé ensemble avec la police pour être capable de garantir sécurité en dans la cité. Commissaire Gouvernement la maître Agassi dans le dossier coronavirus, fait qu'on ait visité un pile boîte de nuit avec piscine pendant le week-end passé à LDC Tapalé, ensemble avec responsable, quand elle avertit avant de commencer à poser action. De l'autre côté, commissaire gouvernement, il parlé tout avec responsable l'église pour respecter distanciation sociale dans le cadre d'urgence sanitaire sous coronavirus. Dossier insécurité, c'est avec lui, on a démarré le journal. D'ailleurs, on est amis déjà, c'est lui qui domine l'actualité depuis presque un mois. C'est sans cap couler, tribord et pas bord en dans pays d'Haïti. Dans ville Saint-Marc, il y a un Fenger Alexandre qui est un jeune garçon, 21 ans, qui a dit la ville, dimanche au soir, vers 8h30, dans l'hôtel Horizon, dans le Cafou Florenceau. Selon témoignage, c'est un agent de sécurité hôtel là qui t'a tiré lui et puis tout mettait en voile immédiatement après le film commettre action ça. Juge de personnes, Fanel Michel, qui est dressé pour se faire le constat, confirmé jeune garçon, mourit par balle. Pendant le tout annoncé que y a une enquête qui l'ouvre dans le cadre de dossiers assassinats qui fait sous Fenger Alexandre, jeune garçon 21 ans, qui mourit dimanche au soir dans ville Saint-Marc devant hôtel Horizon de Cafou Florenceau. Juge de paix, Fenel Michel, apporte plus de détails. Je suis le couvent de la blanc, je suis gardé, je suis pris en balle. Quand on a regardé, moi, traçant, yo. L'homme, suivre traçant, yo, moi, c'était devant l'hôtel Bel Horizon, sans le camper. L'homme, descendre, puis, bah, l'hôtel là, m'a pas trop sans corps rapide, m'a présomption, c'est devant l'hôtel là, yo, tiré. Et rapidement, m'a rentré dans l'hôtel là, m'a demandé pour responsable là, puis,
y a une responsabilité par là avec moi. Y a été dit moi par monsieur ces petites mères hôtel allié pour donner à l'étage puis le temps de en détonation. L'elle sorti, l'elle m'a dit il pas sorti vite. On a pris information à venir nous faire comprendre que agent de sécurité était gain dans barrière là. T'as la gazam na tel courri. Et présomption gain, nous avons présomption mort par balle. Parce que nous, oui, les gens ont un orifice au niveau d'estomac. Et fusil 12 qui était nommé agent de sécurité, le nous joignons, nous avons 4 cartouches à donner, mais c'est 3 cartouches pleines de joignes avec un douille. Douille la 7, c'est-à-dire c'est un cartouche qui est déjà déchargé. Puisque l'agent lui-même était affecté à une institution et jeune garçon âgé de 21 ans, lui-même c'est dans une zone d'arrêté selon toute dernière information de gagné. Monsieur le Fengue Alexandre. Bon, le bonheur pour nous avoir commencé à révéler ça, ça nous gagne dans l'enquête, non? C'est ça, m'ba ou à la NAPKEMBI, en attendant que l'enquête a lié approfondi et son façon pour ne pas troubler piste nous gagne. Fusil a été gagné 4 cartouches en donne. C'est 3 nous jeunes qui plein l'autre cartouche là vide et nous jeunes un monde qui à terre et qui t'a on me dit qui t'a mouri par balle qui t'a tiré. Alors la présomption lui même son mode de preuve lié jusqu'à présent nous cap attribuer crime ça avec agent de sécurité. Ou t'a coûté juge de paix Fanel Michel qui t'a pour des détails sous assassinat ça qui fait sous Finger Alexandre un jeune garçon 21 ans que agent sécurité dans l'hôtel Horizon t'a assassiné devant l'hôtel dans Carrefour Florenceau dimanche 26 juin 2021 à 8h30 dans Assoué. Toujours dossier insécurité, comme disait le gouverneur Ville Gonaïve Blanc, M. Agazis, fait qu'on est, déjà recevoir rapport SDPJ1 à procès verbal juge de paix, t'a fait sous incident qui t'est passé mercredi 23 juin dans zone Capiti, qui est une localité dans Tirivière-Bayonnais, qui est la troisième section communale Gonaïve. Côté dans l'incident ça, il y a deux mouns qui ont perdu la vie, avec trois autres qui sont blessés parmi eux, un cousin délégué de département de la Tibonite, Enoch Généreux. Dans le même dossier ça, comme disait le gouvernement, M. Agazis déclaré, action publique déjà en mouvement pour arrêter tout le monde qui est impliqué dans l'incident ça parce que il y a mort d'homme. Le commissaire a dit, d'après information gagnée dans le menu, il y a un pile de monde qui suspecte dans le dossier assassinat qui fait dans la date 23 juillet 2021 dans la localité Capiti, où deux personnes perdent la vie et trois autres sont blessés. En côté, c'est Agassius, puis c'est commissaire gouvernement, près tribunal, premier instance Gonaïve. Je pense que dans le dossier Capiti, à son dossier nous pas à cœur. Parce que nous avons pris le soin. Malé avec juge de paix, c'est juge René, nous t'ai monté tout avec SDPJ. Qui rivé en l'air, qui tant de monde, matin bien bonné à là, juge de paix a gain t'envoyé procès verbal de constable moi et nous gagné SDPJ qui a peine voyé rapport lui-même ban moi et nous même depuis même jour nous t'allé à suivant sa population en dit nous t'ai gain mettre action publique en mouvement. Est-ce que normal, inormal sur radio pour me dire mettre mandat de X, mettre mandat de Y? Si me dis ça sur radio, c'est plaisanterie, c'est fait, est-ce que là avec moi? Ben, si me dis mettre mandat de X, c'est marron, me dit marron, hein. Me dis mettre action publique en mouvement, pourvu que me mette action publique en mouvement, n'a fait ça, nous, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la justice pas dans ma TV. Est-ce que là avec moi? La justice pas dans ma TV, bon procédure, n'a pas suivi, n'a pas suivi couloir pour nous permettre que mon yo joigne justice. Nous, qu'est-ce suspect? Bien des suspects, mais maintenant nous mettons des mandats d'amener des hommes. Nous pas qu'à dire sous les autres, mettre mandat d'amener des X ou des Y. Non. Soudain, donc, commissaire met mandat de mon et puis il prend radio et dit, m'a mandat d'amener des intel. Il dit, sauvé. Parce que c'est l'eau arrêté mon nez qu'on a un mandat d'amener des elle. Est-ce que là avec moi? Je pense que la procédure n'a pas suivre. Et malheureusement, tout ça, mon a dit, mais ça n'a pas découragé nous. N'a fait ça, nous, pour nous faire. Son dossier, m'a gagné. Nous avons un rapport SDPJ, nous avons un procès verbal de constat que le juge de paix a été fait pendant notre temps. Ouais. La loi dit qu'il s'est fait, il y a un mort d'homme, il y a un assassinat, l'autre monde qui est blessé, il y a une tentative d'assassinat, il y a tout. Est-ce que là avec moi? Mais maintenant, je vais faire ça pour nous faire. Non seulement ça, nous avons acheminé le dossier à côté pour nous voir. Donc, il va aller dans l'instruction. Il va aller dans le cabinet d'instruction. Entre temps, nous avons cherché le monde pour nous chercher dans le dossier. Vous parlez de plusieurs suspects, il y a un pile. Oui, bon, suivant sa population, on te dit non, parce que c'est à l'unanimité population, on te cite des noms, bon, non.
ça nous pas qu'à prendre la légère. Mais gen l'autre tout yo dit yo pas contre non yo. Ça veut dire yo pas contre non tout moun yo, mais gen des non yo cité ban nous, nous tenir compte des non yo cité ban nous, immédiatement nous prenons la ban nous ratio. Vous t'a écouté M. Sira Gassius, commissaire gouvernement dans tribunal la première instance Gonaïve là qui t'a réagi sur situation ça quand il fait quoi que il y a un dossier dans mener rapport procès verbal SDPJ avec procès verbal juge de paix t'as dressé la date 23 juillet 2021 sous assassinat qui est passé dans Kapiti dans qui c'est une localité dans troisième section communale Gonaïve là qui c'est Bayonne. Donc n'a tout, il y a deux monde qui étaient morts et trois les autres qui même rivés blessés. Et mon accusé dans situation ça c'est on fait un cousin délégué ensemble avec délégué départemental là tout lui même qui était intervenu sur antenne nous t'ai porté précision toujours dossier insécurité nous parlons dans nos pays hein, pour nous la police dans le département nord crasé un groupe gang qui t'a fait railler dans zombie une zone qui joint dans deuxième section communale route du cap dans la 26 pour le 27 juin 2021 dans échange coup d'armes qui était entre la police ensemble avec bandits gain sept présumés bandits qui blessés divers cailles boulés et plusieurs présumés bandits arrêté. D'après parole PNH là, dans nos pays, inspecteur divisionnaire Jean Erol, fait quoi que la population a boulé 6 dans 7 bandits sao qui étaient blessés en babal. Jean-Claude Giffard, c'est correspondant Radio Pyramide dans Métropole Nord. La police dans le Nord crasé yon gang qui t'a fait railler dans une localité qui relè dans zombie, qui jouke dans un tête monde, dans le sud-ouest ville au Cap et qui en dans deuxième section communale au Dicap. C'est la date 26 pour l'ouvrir 27 juin. Opération 1 déclenchée aux environs 2h du matin. Comme bilan, 7 présumés bandits mourir, kanganen, 2 lots arrêtés, divers tikay boulé, 3 armes à feu ak 66 cartouches saisies, sans compter divers armes blanches tankou, couline, mato ak ciseaux. D'après nouveau porte-parole PNH la nano, inspecteur divisionnaire Harold Jean, c'est population qui t'a boulé présumé à tout faire yo. Et là la police arrivée et sous lieu aux environs de 5h du matin, les bandits ça qui semblait te gen moun qui te monté la garde pour yo, yo ouvri coup de zame sur la police. Et yo fait un bon bout de temps à trouver kon yo, à tirer beaucoup de zame à la police. Et maintenant par suite d'opération ça, la police constatait que gagnent 7 individus qui mortellement blessés. Donc en compagnie de juge Samuel Filippo qui était fait constat, la police était wayo avec les honnêtes surtout que était là. Maintenant pendant constat a fait, gagne un groupe de bandits yo qui a positionné au point stratégique dans monde pour dire son lieu qui presque inaccessible. C'est à pied les policiers arrivé là. Yo commencé tirer sur la police. Yo tiré un pile coup d'armes sur la police et la police était obligée désengagé pendant un petit temps pour lui retourner sur cette scène de crime par la suite avec l'autre unité des unités de la mairie, etc. Et c'est là la police retournée qu'on y a, lui constater que 6 parmi 7 suspects qui étaient mortellement blessés, yo boulé. Bon, selon première information qui vient de joindre nous, c'est à part des mounes dans la population qui ont un problème avec ça, qui a mis du feu sur ce site-là et qui a fait ça. Donc, direction départementale Nord, la police ouvre une enquête pour déterminer dans quelles circonstances que du feu ça a été mis sur ce site-là. Yon l'autre à côté, porte-parole là, fait connaître, dans l'autre opération, la police menait, l'irrivé poser la patte sous environ 600 présumés malfaiteurs, parmi eux, tagué 2 présumés, membres gang 400 maouzo, dans quoi des bouquets, qui t'a couru, réfugié au Cap. Yon fois encore, inspecteur Awol Jean. Arrestation de Dumel Innocent, 39 ans, et Luxon Jessius, 21 ans, que la police a arrêté limbé le 23 juin 2021 en possession d'un arme à feu de calibre 3.80 et de série 70-842 plus un chargeur qui a 3 cartouches là-dedans. Donc actuellement, le dossier SAO est en cours de traitement dans la section départementale police judiciaire. Ensuite, nous voulons parler de 2 arrestations que la police fait au niveau de Saint-Raphaël. Michel Guétine, 26 ans, et Josué Jean, 22 ans. Deux monsieur SAO, c'est deux mounes qui sont sortis Port-au-Prince dans la zone Delma 20 et qui a fait partie de base 400 Maroso. Donc, qui a fui Port-au-Prince pour venir serrer dans département nord. Donc actuellement, dossier en cours de traitement tout, en attendant que vous voyez au bail des CPJ. Concernant opération dans le quartier Zombia, porte-voix PNH là, dans le nord, annoncé, gain en tête tap mené pour arriver poser la patte sous l'autre membre gangnan qui t'a été sauvé. Pour finir, demander population à continuer à collaborer avec l'institution. Depuis Cap Haïtien, Jean-Claude Geoffroy, Radio Pyramide FM.
Merci, Chico Jeffroy. On a quitté Métropole Noire, on a descendu dans la Tibonite pour nous camper dans Ville Gonaïve, pour nous lui savoir qu'ils sont citoyens qui vivent dans Ville Gonaïve, dénoncer une situation qui a développé sous place d'âme Gonaïve, là, dans environ cathédrale, à toute zone de ma chère. Qu'on ait plusieurs individus, à grand-sonner, moun, qui a vint sous place d'âme, là, depuis le fait, la nuit tomber comme ça, à qu'on a passé bien bonheur dans la zone, là. Lui savoir, demander à autorité la police, yo, pour prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre en bout dans les criminels, qui a fait dans la zone, place d'âme Gonaïve, là, avec toute bonne cathédrale. Nous invitons à côté, lui savoir qui sont citoyens dans la commune. C'est hier soir, victime de trois petits volets. Pendant que je parle avec une petite demoiselle comme ça, qui a près de 15-17 ans, il y a un petit volet qui paraît qui a un couteau, un gros couteau long. Il a le téléphone dans la poste d'amener, puis cinq autres paraît. Et puis, il y a un allé. Bon, je trouve son bail qui est très doux, parce que nous n'avons pas vu nos pays. On a un bail qui est très doux, je n'ai pas raison. Pour parler ça, c'est pour ça que je passe dans la radio Pyramide. Comme je suis sur la radio qui plus écouter dans la ville là, je passe là pour moi si ma femme est là, parce que pour moi si l'autorité, attendez, parce que au moins je ne peux pas vivre. Gardez moi, même mon citoyen, je fais un petit commerce, moi, dans tes jours, je me balance où je vais acheter charbon. Voler, barrer la pierre. Je prends $12,000, même si c'est comme haïtien, mes amis. Qui a des bras là encore? Alors, je passe dans la radio pour me dénoncer le climat insécurité qui a développé dans la ville de Gonaïve. Place d'âme dans le tout, le monde ne peut pas passer là à 7 heures. L'autre dit que ne peut pas passer à 7 heures, ça veut dire que monsieur a fait piller le monde dans la zone. Tambour battant. Il y a bon, bon, coup de soir, aller là ou après, il y a un vent clair, il y a filmé le boss, dès que le bagage est sauté. C'est comme si je me disais que le pays, même si la police n'a pas fait face à lui, avec gros bandits, mais on dit bandit ça. Tu as pris le mettre de côté pour la machine bagage. Gros la journée, tu es sous place. Gros la journée, ouais, même je connais. Je connais bien. Ce n'est pas pour dire que je suis avec un immense homme, je connais bien. Par exemple, la cougne, je prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. On ne peut pas vivre. Nous ne pouvons pas jouer la police dans la zone, non? Dis tout. Machine police passée, face fermée, pas mal. Dis tout. Bon, en face mairie, c'est là que vous faites base. Kounia là, alors, yo prend prétexte, y a demandé, et puis y a volé, y a tout pas. C'est ça que vous faites même. Donc, le soir, vous ne pas passer dans la zone, ça? Dis tout. 5h du matin, vous ne pouvez pas passer. Le soir, depuis à 6h, faut aller dans une zone qui est isolée. Pas de monde même. Bon, mes amis, nous ne pouvons pas vivre comme ça, mes amis. Quand autorité, yo. Radio Pyramide, son radio qui est très écouté, je pense autorité a tendu Radio Pyramide. Je passe là même, je sorti juste en bas de la ville, je suis dans la rue Jean-Jacques. Je viens juste là, je viens de faire un message là pour moi. Si je suis sous, parce que au moins je ne suis pas dit gros bandit, mais si tu voles ça, nous allons mettre au fer 5 ans côté pour que les gens la paix. On a écouté lui savoir, qui t'a dénoncé Zach Banditis qui a fait dans une place d'Amgonaïvlan, avec un tout coin cathédrale souvenir et de l'obélisan. Il y a pris un monde qui a passé, prend tout ça au gagné, depuis la nuit tombée à bien bonheur, dans matin. N'a pral, toujours été dans le dossier insécurité, hein. Nous, pour nous, ancien président chambre commerce et industrie, bien haïtien, Jean-Robert Argan, dénoncé silence, complicité autorité, face à Zach crasé brisé, pillage, qui a fait chaque jour, dans une série entreprise, dans Port-au-Prince. Là, mais tout persécution politique sur quelques entrepreneurs dans le pays. Jean-Robert Argan exige pour le président de la Chambre commerce à Kentucky d'Haïti tout neuf ans, Laurent Saint-Cyr lui-même pour le capable dit un mot sur la situation qui a passé dans le pays. Côté que un pile entrepreneur a subi la persécution politique en bas main pour voir en place. Là. Jean-Robert Argan, c'est ancien président de la Chambre commerce pays d'Haïti, la porte précision. Institution pas répondre à vraiment attente de. Premièrement, et deuxièmement, société en général. Que gagne un matraquage systématique qui fait contre entreprises, contre entrepreneurs, contre les citoyens. Bref, côté que l'entreprise, yo vandalise, yo pille, yo vie entrepreneur menace, y'a des actions qui prend caractéristiques de persécution politique et que chemin pas réagi, institution pas réagi. Nous pensons que c'est devoir et c'est obligation institution pour le défendre Mamio et au-delà de Mamio pour le défendre citoyens haïtiens. L'occasion nous est connue à côté que vraiment c'est comme si les entreprises ou des entrepreneurs à cause peut-être de opinion yo ou de options yo qui yo pratiquement ciblé, on ne peut pas accepter inacceptable. On a pas le droit de garder le silence. Une institution vieille de plus de 125 ans a son poids et son rôle à jouer. Et c'est appel à nous lancer par l'institution et par le truchement de son président, Laurent Saint-Cyr. Et il n'est pas capable d'oublier et ignorer le problème
entreprise, entrepreneur, il a subi, d'autant plus que c'est eux-mêmes qui ont créé emploi, des emplois qui sont utiles. Parce que moins j'ai emploi, plus gangstérisme et banditisme pour le gagner. Donc, il n'y a pas qu'à créer emploi, qui a menacé, qui a poursuivi, et que même comme chambre, on ne dit rien. Ce silence nous condamne, nous dit que c'est un silence assourdissant. L'essentiel, c'est qu'il y a un silence qui est condamnable et on ne devrait pas continuer à garder ce silence. On ouvre sa capacité. On doit aller pour trouver des solutions aux problèmes et non pas simplement jeter de l'huile sur le feu. Vous avez écouté Jean-Robert Argan, qui est ancien président de la Chambre de commerce pays d'Haïtien, qui a porté précision sur la situation qui a passé dans le pays. On a demandé la Chambre de commerce là pour le dénoncer complètement l'État ou encore ça va passer côté en pile commerçant yo a subi zak persécution et particulièrement moun qui dans opposition à pouvoir n'a prêté dans dossier insécurité. Nous va parler avec directeur exécutif RNDDH là Pierre Espérance qui continue à dénoncer complètement autorité yo face à chef fédération gang Genève en famille et allié Jimmy Cherizier alias Barbecue qui proclame tête comme un chef révolutionnaire. Pierre Espérance dit yon bandit pas jamais capable d'arriver un révolutionnaire. Pierre Espérance. Monde qui fait révolution, qui a parlé de révolutionnaire, c'est monde qui a une idéologie, qui a une vision, qui a un bagage qui est attaché avec eux, c'est ça, donc les valeurs. Monde qui a défendu l'intérêt, une société qui a combattu mauvais bagage, ça n'est pas bon dans la société. Cependant, voler, kidnapper, kadijaker, monde qui est impliqué dans le massacre, voler en plein jour, qui a pillé magasin monde, qui a fait menace monde, pas capable de révolutionner. Ça va vivre là, c'est le résultat de gestion autoritaire. Qui offert des sécurités à la pays. Ou un régime qui est sous pouvoir depuis 2017, il fait alliance avec gang yo a massacré, il a terrorisé, il a intimidé des mondes. Depuis Genève prend la RIA, la police bat Genève la RIA. 2018, pour le régime, il y a 12 massacres qui fait dans la zone métropolitaine dans ce pouvoir. Ça. Tout massacre, c'est Genève et Allié qui fait au pouvoir. Dans 12 massacres, il y a déjà 10 plaintes qui déposées dans la justice. Tout dossier, ça a fait dans le cabinet d'instruction. Il n'y a pas de gens sur aucun monde. Et ouais, tout le monde dit, il y a les policiers, il y a fermé le commissaire gouvernement, la justice n'a pas réagi. Mais laissez pour persécuter le monde pour opinion politique, ouais, vous mettez en branle tout appareil judiciaire avec la police, parce que les juges par eux. Mais les populations, c'est lui-même qui voulait les camper pour les combattre des usages. Délocaliser sans Covid, là, c'est pour voir qui a by Genève et allier plus espace pour être capable de continuer à faire ça au vrai. Ou est pas aucune volonté pour faire rien avec eux. Il y a boulé policiers, il y a tué le monde, il y a massacré le monde, ça n'a pas dit le régime n'a rien. Ou est-ce à pouvoir faire? Ils mettaient en task force pour aider le monde qui est victime de la matrice, qui est motivé son bon bagage, même bien tout à l'heure, ça s'est mobilisé dans cette place. C'est très bien. Cependant, bien plus, le monde qui est victime, dans le quartier défavorisé, dans le bel et cité de la Saline, pour eux, ni agence humanitaire des Nations Unies, ni pouvoir pas faire rien. Pour Mounzao, comme Mounzao, c'est mon victime des crimes d'État, massacre d'État, crimes contre l'humanité, que pouvoir faire avec gang, comme international là, a supporté avec moi tout le pouvoir, eh bien, ça va dire une solution crise et par l'autre côté, c'est dans mes populations haïtiennes. On a écouté directeur exécutif CNDDR là. Pierre Espérance. Dans le même dossier, directeur exécutif CJLAP, madame Justine Colanoël, dénonce lui-même toute violence gang axam a fait le pays. D'après lui, ça fait partie d'un plan bien monté, bien orchestré, bah, côté pouvoir en place, pour intimider la population, qui pas d'accord du tout avec le référendum inconstitutionnel, président de la République, Jovenel Moïse, veut réaliser, ouais, pas vrai, dans le pays. Justine Colanoël, c'est directrice exécutive CJLAP. Nous avons deux événements ça et qui passent. Ça c'est un événement qui fait partie six événements et qui a fait une après l'autre et qui rentrait dans la même logique et fait mon peur, fait mon et la pérèse pour être capable de prononcer, pour être capable de mener activité, pour être capable de dire ça y a pensé, ça y a quoi. Et qui pas bon dans le pays à marcher là. Et donc, on croit que tout bar ça yo fait partie même plan ça. Donc, chaque côté a fait démonstration par yo. Donc, pour montrer comment yo capable d'accompagner un projet cap enterrer pays à pi fond toujours. Et nous croit que société n'est pas capable d'accord, pas capable d'accepter aucun projet qui a pu continuer, qui a fait pour enterrer le pays à plus toujours. Donc, ça veut dire qu'il faut que la société a joué de toute façon pour lui-même, il est capable de lever tête et pour lui dire c'est assez,
bagay yo pa kapab continue, jan y a continue la, donc fòk genyen un bagay ki fèt, fòk un bagay ki di, pou ke nou kapab soti nan situasyon nou la, donc nou menm, se sa, se nan sa nou toujou kwe, e nou kwe ke otorite yo, yo bezon ran yo kont, e se sou responsabilite pa yo, ke tout sa ka prive peyi a aprive la, donc fòk yo fè un jan. Nous même c'est ça nous quoi pour nous même la justice avec la paix c'est pas aujourd'hui et nous ouais n'a dit pays a livré par bandi c'était depuis longtemps pays a été livré par bandi parce que chaque fois nous te ouais autorité yo ça pour yo faire pour capable permettre pays a fonctionner bien c'est pas ça yo fait la police là pas vaut en rien encore par rapport avec ça ta doit représenter comme institution pour aider mettre l'ordre en dans pays a alors ce qu'on connaît que c'est pas capable la police pas ta capable c'est pas capable police pas ta capable pas ta capable travail pour mettre pays à dans l'autre donc ça veut dire pour ça rentrer dans un projet pour finir avec toute institution d'ailleurs nous c'est ça qui fait dans les 5 ans nous même nous toujours pas rentrer dans la logique pour dire qui ça qui pour faire parce que nous croyons que tout haïtien conséquent qui en dans pays a conscient yo connaît qui ça qui pour faire qui ça qui doit faire moun yo tout qui a contribuer cap mettre ensemble pour mener pays à pour mettre pays à dans trou pour enterrer le plus là yo connaît tout yo même tout yo des limites donc bonjour yo pas ka continuer c'est avec dossier insécurité encore n'a démarré deuxième tranche là pour nous mettre gardien dans feuille dans ces actes violents qui enregistré pendant week-end passé à dans quoi des bouquets il critique autorité yo il dit qu'il pas fait aucun rien pour capable freiner action bandi yo qui continue à imposer droit yo dans plusieurs côtés en dans pays hein pendant fait de l'eau continuer couler dans jeune population avocat d'Orfeuille croit que il accusé même gouvernement en placement avec acteur international yo comme quoi yo même yo dans ces collé avec bandi améo avec gang Genève en famille allié qui la cause que paysan a connaît situation catastrophique ça gardi bezonneuf c'est une situation généralisée et moun kap gouverne nou yo mettez nous là dedans parce que yo irresponsable et yo pensez que c'est laisser pays à diriger ou bien c'est laisser des gangs prendre pied dans pays à cap permettre que yo gain pouvoir ou kembe pouvoir donc c'est ça qui passé donc yo vin créer une situation que yo pa gen contrôle li encore. Donc situation ça li prend naissance, c'est deux gros groupes moun qui bal naissance, c'est moun ka fait koblan pays ya avec moun ki lan gouvernement ki lan l'état. C'est yo créé. Monsieur, parce que si yo pa vle situation comme ça, ou bien yo tap tuer le depuis l'an ze, ou bien yo tap combattre li kounya, yo tap kite rive comme ça. C'est pas longtemps non, 400 maozo, mais alors avant di sa m'a di ya il y a la complicité internationale. 400 maozo, selon l'information que nous gagnons, nous gagnons de très bons contacts avec la République Dominicaine. Cap bay aux âmes, cap bay aux moyens, pour créer ça à faire là. Donc, sortir à faire là, c'est une sortie qui dit que nous pas aussi faible tout. Même Jean-Bernetti là, puis Iso, Caprel là, même nous avons créé des gars tout. Mais nous avons compris ça, nous avons fait une nette. Nous avons créé panique. Et c'est après, nous avons créé panique, la police vient. Donc, situation, son mari qui grave, population, et laisser pour compte absence une force nationale qui peut combattre ça. Moi, le bon exemple, bien sûr, nous avons un rapport qui est à câble, que nous pouvons faire sortir là sur la police nationale. Bambo primeur là. Est-ce qu'on connaît? Il y a des policiers qui étaient allés là, l'an bas 12 mars là, dans le village des dieux, que mais ont crasé, ça a un pied cassé, ça a un bail. Que l'État, ici, pas un spécialiste, tout ça, on t'a brûlé de l'autre côté. Que vous pas j'en m'occupe, yo. Quelqu'un qui était agent de seulement fait l'agent 3 et puis au campé là, on va faire un bruit. Même passeport, t'es déjà fait pour vous aller au pas le passeport, hein. Comment t'as vu quoi, un policier qui est en fonction, prêt à risquer ville gourmet, pendant ce temps, nec, qui t'a fait ça déjà, yo l'a gueule là où il y a demandé charité. Un policier qui était là, qui était là en gourmet. Ça m'a dit là, la frère. Un bon nom, oui. Il y a César Whitler qui prend 3 balles dans le jambe. Il y a une qui est en pied. N'est-ce pas faire un police? Il y a 6 policiers plus l'autre monde qui est victime. Qui porte une plainte chaque jour? Que qu'on y a là? Mais dans les possibilités, c'est aide internationale à chercher pour eux. La police pas un compte pour service de renseignement. Pendant ce temps, chaque année, dans le budget de la police, il y a 180 à 200 millions de gouttes qui ne sont pas utilisées. En dans la police, il y a des gens qui ont des bandits, c'est ça. Donc, la police n'est pas aussi pas capable
répondre à soldat doit faire, à soldat doit répondre dans la société pour faire, parce que c'est donc pendant que je fais une étape, c'est quoi des bouquets, il y a des volets qui se plus que 10 machines pour les camions qui passent, river jusqu'à Pont Tabac. La police a été au courant, mais elle n'a pas venu faire face carré. C'est pas qui simple, parce que lui-même, il connaît un, c'est victime de ça, et deux, si l'idée de l'homme qui bat au renseignement, bandit à quatre, qui est, c'est puis tout bagaille, pas y aurait été fait. C'est son pays qui crase, nous là-dedans, frère. On a écouté M. Gazi Maisonneuve, dossier insécurité ancienne, Kembe Actualité, à Zami Auditeur. Nous allons parler de livre toujours. Bonjour, ancien magistrat Kafouan. Yvon Jérôme, il déplore complètement la police. Il dit qu'il n'a pas fait aucune intervention pour établir l'ordre dans la zone sud capitale pays, côté gang Axamio, toujours qui contrôle zone Martissan à Fontamara. Ancien magistrat, plein à cause commissariat Sainte-Bernadette, là, qui trouvait le Martissan, toujours été fermé. Policiers déserté local, commissariat, ça, depuis les affrontements gang Grand Avignon, Actibayo, de démarrer dans date 1er juin, alors que je dis à nous dans date 29 juin, Zamio dit, pour comprendre. Pour Yvon Jérôme, autorité en place, yo, incapable de quoi solution insécurité, hein, c'est départ pouvoir en place, là, en passant par président républicain Jovenel Moïse. Yvon Jérôme. Nous faisons des réflexions côté que nous jugeons devrait avoir l'autre solution à la situation à plein là que déplacer le monde ça au cap dirigé nous. C'est-à-dire, si nous considérons, si M. Armé ça a cautionné par mon cap dirigé nous comme au couleur blanc, donc c'est peut-être couleur blanc qu'il faut couper. D'ailleurs, c'est une déception pour nous pendant ces derniers temps. Remarquez que la police, à travers Léon Charles, disait qu'il fait intervention dans la boule. La police a assumé responsabilité qu'il prend la boule comme on l'autre zone dans le pays d'Haïti. Donc il vient montrer que nous-mêmes dans la zone Matisse, nous-mêmes dans la zone Carrefour et même reste sud-là, nous pas monde par rapport avec la situation que nous traversons là. Pas encore une fois, l'inciter nous à l'excitation, l'inciter nous à la frustration par rapport à mauvaise gestion de ça n'apprend là que responsable de sécurité publique en particulier. Et c'est une chose qui c'est la police dirigée par Léon Charles, et au service même de la politique et de Jovenel Moïse en tant que servile de la communauté internationale. Bon, il est évident pour nous que M. Zao, c'est toujours pas les mettre là. D'ailleurs, si tout bon M. Zao t'a fait un bagage, situation pas capable de dégrader aussi, j'en dégrade là. Je tiens là, entre Fontamara 43, dérivé jusqu'à zone où elle alerte, passé par Byzantin, arrivé, portail organique, etc. Zone là, c'est la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire, chaque monde qui a une graine cartouche, c'est prendre une graine cartouche pour la pour comprendre. Parce que automatiquement, on prend chance de passer dans zone là, il est sujet à toutes sortes de bagailles. Ça veut dire que si tu as bon bagaille sérieux que tu as fait, premièrement, tu as bon déploiement, ok? Tu as bon déploiement, tu as bien PS. D'ailleurs, si qu'on bagaille qu'a fait tout bon, vous on prend exemplaire. Mais bon, sous commissariat, là, policier pas abandonné depuis la situation dégénérée. Commissariat a tout fermé. Pas de même bien présence policière là-dedans. Commissariat et c'est bien à tête, non? Ça veut dire que si on situation comme ça, ou par un déploiement avec un dispositif qui mettait le monde en situation de confiance, chaque monde l'a traversé dans le pays de ça, c'est l'offre de traverser, ou sans tout confiant, ou sans tout traverser. Normalement, jeune dans la zone, il y a été barré zone là, pour y dire la police prend responsabilité. En lieu de place la police prend responsabilité, c'est débarré, il vient débarrer et route là. Il vient débarrer route là. Dispositif ou bien déploiement de fait là. Toutes policiers ont oublié de aller. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas présent comme une sorte de PS. Et sur place. On a écouté un magistrat Kafou, hein, Yvon Jérôme, qui a réagi sur la question de sécurité, hein. On a tourné dans la Tibonite, là, parce que, ben, on a gagné naïve. Pour nous, il y a une grosse rencontre qui fait entre la police avec les chauffeurs taxi moto, chauffeurs camion, pour garder comment on est capable de garder phénomène insécurité, hein. Comme ça, c'est le champ départemental de police dans la Tibonite, rencontré lundi 28 juin 2021, avec plusieurs représentants syndicats transporteurs, haïtien, Cambis, avec le syndicat chauffeur, transporteur, taxi, moto, pour réfléchir sur le phénomène insécurité, hein, dans la ville Gonaïve. Les champs départementales, la police, là, m'ont des collaborations, secteur syndical, là, pour travailler ensemble, pour faire un phénomène insécurité, hein. Pendant profiter, faire une rencontre de mise en place, pour assurer confiance entre police, là, à la population. C'est le directeur départemental, la police, là, commissaire Joël Casséus, lui-même, qui t'a dirigé, rencontre ça, hier, lundi 28 juin 2021. Nous invitons à écouter porte-parole police nationale dans le département de la Tibonite, inspecteur Dieudonné François, la porte de précision dans le micro Alain Etienne. Nouveau directeur départemental, nous, commissaire divisionnaire Joël Casséus, il était invité la presse, jeudi en là, pour être capable de témoigner de la rencontre qui était faite entre le département là,
Et puis, secteur syndical là, y compris les cambistes. Donc, c'était une rencontre qui était déroulée avec en pile, nous capables de dire, côté que en pile monde était venu là-dedans. Nous prenons un dans ce secteur syndical là avec Cambicio. Nous avons parlé autour de sécurité. Donc, pendant la rencontre, ça, depuis le département, là, tu as essayé tout, faire une rencontre de mise en place, parce que vous connaissez une autre équipe qui montait là, pour être capable de bailler point de vue chaque monde, pour être capable de connaître nouveau directeur, qui ça vient faire dans le département, et je nous connais lien sans population, la police n'est pas capable efficace, pour être capable de connaître beaucoup de population, tout qui a pas nécessaire que la police t'attende. Donc, je nous ai témoigné, rencontre salité, il y a un pile de monde dans divers acteurs dans le département qui est venu là-dedans. Côté que tu as un échange qui est fait de part et d'autre. Côté que la police, bon côté parle, il était informé assez pour nous être capable de connaître besoin de la population, hein, pour nous être capable de connaître à travers chaque secteur qui représente eux, qui côté la police gagne pour passer main ou bien continuer le travail, pour le travail là. Et bon côté population, tout qui représente par nous capables de dire des gens qui vraiment chevronnés dans la matière là, de profiter tout pour te cahier d'oléance population à Tibonicène, par la police nationale d'Haïti, par le biais de M. Syndicario. Côté que il y a un pile de bagaille qui débat et que je dis là, nous ne pouvons pas courir dit de qui ça y est, mais nous étions quoi, geste ça qui fait là, c'est déjà une porte qui est ouverte, côté que la police avec la population hein, prend le travail ensemble. Pour nous finir par affaiblir et voir baisser à zéro sans nous aider l'insécurité qui a battu sur le département de la Tibonite. Donc, avec toute franchise, je suis content de remercier M. Syndicalio, M. Cambicio et tout l'autre M. Transporteur qui est venu tout pour nous parler de sécurité aujourd'hui. Et je suis profité tout pour être capable de responsabiliser chaque secteur. Parce que le nom de sécurité, ce n'est pas fait pour la police nationale d'Haïti seulement lié, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, et les gens qui l'a pour protéger, et les gens qui l'a qui a victime, nous restons tout le monde ensemble qui pour mettre maintenant en patte là, afin que nous capables de venir avec une solution qui est appropriée pour nous capables de dire population anti-police définitivement la police bon côté. Donc, en gros, c'était sous ça que nous avons parlé. Nous étions quoi très bientôt, la population parle témoin. Ça qui peut le passer à partir de rencontres qui sont faites aujourd'hui. La finalité, rencontre ça, est-ce que nous avons l'autre secteur nous comptons rencontrer? Bon, c'est une première, ce n'est pas la dernière. Le directeur départemental là, il prend lui-même personnellement rentrer en contact avec l'autre secteur. Tant qu'on a rencontre aujourd'hui, il y a des questions, problèmes qui posent, qui parlent des ressorts de la police. Peut-être c'est la mairie, peut-être c'est l'autre secteur, en dedans l'État. Donc, le directeur prend le chita avec tout secteur ça, afin que soient capables de voir ensemble qui réponse soient capables de porter afin que soient capables d'améliorer la situation sécuritaire dans le département de Tibonite. Vous avez écouté inspecteur Jean-Louis de François, sous même dossier, hein, président syndicat chauffeur taxi, à propriétaire taxi moto dans Ville-Gonaïve, Julio Joachim Datus, qui a participé à une rencontre ça à la police hier lundi 28 juin 2021, pour garder ensemble comment soient capables de travailler sur le dossier sécurité dans Ville-Gonaïve. Julio Joachim Datus, fait connaître, c'était une rencontre qui était bien déroulée. Et quoi il est là, après président de la police, dans Zak, l'a posé pour garder qui ça, rencontre ça à poté. Président syndicat chauffeur, à propriété de taxi moto, dit ses collaborations, la police demande pour capable croiser phénomène insécurité hein, dans la ville. Joachim Datus, c'est président syndicat chauffeur taxi moto. Bon, je dis à qui c'est lundi et 28 juin 2021. Et nous te recevons correspondance de direction départementale police là dans la Tibonite. Pour que secteur transport et Teshida ensemble avec lui, moi-même en qualité de président Fédération des transporteurs de la Tibonite et puis président syndicat propriétaire chauffeur taxi moto dans le département, nous t'es réunis, nous t'as discuté et t'es gagné parmi surtout qui souvent des principales victimes de banditisme qui a traversé la cité de l'indépendance. Donc, question a été posée et c'est une rencontre capable de dire qui est très fructueuse, alors en communication, mais en acte. C'est la police a dit un ensemble de responsabilités. Ça, la police a sollicité de nous-mêmes dans le secteur transport, c'est et la collaboration et participation. Nous, et ils ont estimé que, je vous dis,
même police nationale là lui même les victimes. Soit regardez ça qui a passé dans zone métropolitaine de l'Ouest et côté des bandits a envahi a fait pillage et viol et il y a prend des commissariats et incendié yo et fait d'autres actes qui troublent la paix sociale. Donc je ne jodi en dans cadre de collaboration nous très ouverts et nous mêmes dans le soutien syndical là par rapport avec des directeurs et départementaux qui étaient passés dans tête des directions départementales police là, nous avons pas de même une fenêtre pour les dialogues, pour la communication, mais je dis en nous avons une possibilité pour que nous travaillons ensemble. Travaillons ensemble, qu'est-ce que ça nous va faire? Parce que je ne dis en tout citoyen, nous des cibles bandits. Tout le monde qui parle parti, qui parle marron, qui parle courir, qui parle dans caché, il a une responsabilité. Pour dire non à la violence, non et à la banditisme. Et nous ne pensons pas que nous sommes seuls comme secteur qui a une participation. Et nous gagnons la presse qui a interrogé, qui a une participation, l'église qui a parlé, le secteur vaudou qui a parlé. Et comme ça, je pense que chaque monde n'a pas de responsabilité dans ça parce que nous besoin de Gonaïve d'autres fois, côté que nous avons dormi sous Dokaï, côté que Gonaïve d'autres fois, nous avons circulé, nous avons allé dans le programme sans casser, sans incertitude, sans inquiétude. Donc je ne dis pas que Gonaïve n'a pas tourné, il y a un repère bandit, même j'avais Cité Soleil, même j'avais Bel Air, même j'avais Solino et Village de Dieu, Matissan. Ce n'est pas Gonaïve, ça nous arrive. C'est pour une raison. Et nous-mêmes, dans le secteur, nous lançons un message. Ce n'est pas la police qui a une responsabilité seulement pour lancer un message. Parce que la société a supposé policier, certes. Mais nous-mêmes, nous disons tout le monde participer par rapport avec nouveau directeur départemental ça, qui lui-même lui est sécurité. C'est la participation de tout le monde. Et nous-mêmes, nous disons tout le monde pour décoller, pour nous poser problème. Parce que c'est petit, nous, c'est madame, nous, c'est frère, c'est son, c'est nous-mêmes qui vivons dans la ville là, c'est nous-mêmes qui dans le département. Donc tout le temps, il y a la paix. Et nous avons dit que si il y a la paix dans Gonaïve, tout jeune garçon, jeune fille, nous avons construit un hôtel, nous avons hébergé dans la ville Gonaïve, nous avons séjourné, nous avons un business, nous avons création d'emploi. Dans le ça, nous avons vécu en paix. Mais pour que investisseurs, pour que gagner travail, pour éviter le chômage, pour éviter la misère, la faim dans la ville Gonaïve, pour faciliter la diaspora à rentrer pour la ville Gonaïve, qui déjà a une réputation touristique, qui n'a pas besoin de grands bâtiments, pour s'allier à ces collaborations et ces sécurités pour gagner. Je dis à nous partis dans la bataille, nous gourmé, nous entrons dans le combat contre la sécurité ça, qui touche tout le monde dans le département de la Tibonite. Vous avez écouté le président syndicat chauffeur taxi moto Julio Joachim Datus sur un contact avec la police sur question sécurité dans la ville. Dossier coronavirus, commissaire juridiction ville Gonaïve, maître Gazius, fait qu'on ait visité en pile piscine à boîte de nuit dans Gonaïve pendant le week-end qui s'est passé à la dans le cadre mesure côté yo prend pour freiner augmentation cas COVID-19 là dans cité l'indépendance là. Commissaire gouvernement fait connait, il était plusieurs autorités avec lui que de chita parler avec responsable yo pour avertir avant de commencer poser action qui pourrait gagner pour poser dans le cabinet. Ne l'autre pas commissaire gouvernement dit il était parler avec responsable église yo pour respecter distanciation sociale qui nécessaire. Merci Agassis. Hier après-midi, nous avons une belle délégation qui était dans tête moi-même, nous avons la police qui était avec nous, nous avons visité toute piscine qui est dans la ville. Et nous avons fait une après l'autre. Nous avons traîné, nous avons parlé avec les responsables et nous avons dit mais qui mesure adopté. Parce que nous n'avons pas seulement arrivé hier, nous commençons à poser action sans nous pas avertir pour nous dire mais qui ça nous prend comme mesure. Je pense que c'était sage. Hier, nous t'avons visité pour nous débattre au message là. Et à partir de semaine, ça, nous avons commencé avec des mesures. C'est qui s'allie? Nous demandons tout côté qu'on gagne rassemblement. Tout côté qui qu'on gagne rassemblement. Notamment l'église, péristyle, piscine, pour citer ça ou seulement. Nous demandons pour réduire la quantité. Ça veut dire qui ça? Nous demandons l'église yo faire plusieurs cultes. Même Jean nous t'a fait dans la première vague, Corona. Faire plusieurs cultes juste pour permettre moun yo chita de yon distance à un l'autre. Et puis nous demandons tout pour moun yo mette masque. Ça veut dire si yo fait plusieurs cultes, gen possibilité tout moun capable assister. Par exemple, si culte là nous t'a fait le deuxième temps, jodi a là nous un moment spécial, faut tout moun yo comprendre ça. Pour vu que nous avons un moment spécial, li mande tout pour une collaboration spéciale, une compréhension spéciale. Mais maintenant, faire plusieurs cultes, si l'espace là te kon prend 200 moun,
qu'on y a espace là réduit ou mettez deux moun ou bien trois moun chita non ban à belle distance et pour faire plusieurs cultes, ça permet que nous toujours suivre culte yo, l'église là pas fermée ainsi que péristyle yo tout qui connaît bien jeune y a fait nan yo nous mandé yo réduit quantité moun yo par le fait que sous te konn gen jeune on jou qu'on y a augmenté nombre de jours de jeunes yo pour permettre ou réduire quantité ou recevoir et puis faire moun yo pote masse. En ce sens n'a privé protéger non seulement tête nous mais n'a protéger population parce que depuis un monde contaminé il en mitan nous gen possibilité pour contaminer tout monde qui là et n'a dit moun yo question corona il pon fantôme il pon tabou. Question corona li réel parce que dès pour ou pas ka respirer pendant seconde c'est moun mourir c'est ou pas gon prise en charge fait pour. En ce sens nous mandé moun yo pour yo réduit quantité moun yo gagne dans rassemblement yo n'a mandé service funéraire yo qui qu'on a fait enterrement yo même bagaille mandé moun yo parce que sou pas entrer dans logique là gagne doit faire comme là pas gagne manger. Ou gen doit assister à un enterrement et puis prochainement c'est ou même tout yo conduit. Ça veut dire faut nous comprendre la situation à vivre là pour nous prendre précaution qu'il faut pour protéger d'abord tête nous. Sou d'accord protéger tête tout et ben ou en mesure pour protéger on l'autre. On t'a écouté commissaire gouvernement Gonaïvlan, maître Sera Gazius qui t'a parlé sur question coronavirus là, côté rencontre avec responsable boîte de nuit, même j'entends avec responsable église sur distance sociale et sur mesure qui de prendre pour capable protéger monde contre coronavirus là. N'a signalé que pays des États-Unis à travers compte Twitter fait connait, il a préparé et qui bon gens moyen yo gagné pour capable faire pays d'Haïti joindre yon quantité de doses vaccin pour capable protéger population. Entre-temps, l'État lui-même livré marché à bah il y a secteur privé allemand qui est capable de commander vaccin coronavirus là pour population capable de prendre. On va qui mettait gros qu'est cassé parce que les populations l'État pas décidé qui qualité et vaccin qui pour commander ni comment il pourra le faire. Entre-temps, il y a association médecin, association pharmacien, yo tout, yo réagi. Dans le journal Cap-Viné, on a un dossier pour vous, cette situation, ça, avant notre temps. On a parlé dans Lagonave, sous Iléa, pour nous après ouverture, période, saison cyclonique dans le pays d'Haïti. Il y a coordonnateur protection civile dans sous Iléa Lagonave, là, Montira Joseph, qui fait qu'on est, malgré bagaille difficile, mais on a déjà formé plusieurs comités protection civile pour capable de porter secours à la population, si toutefois, Iléa a frappé par une catastrophe naturelle. Comme ça, il m'a dit plus matériel, pour capable accompagner population dans Zile. Doré Renol. Environ une semaine après autorité yo dans ville en Sagalet te fait ouverture période cyclonique là dans ville là. Coordonnateur communal protection civile en région Montira Joseph déclaré malgré faible moyen yo gagné yo déjà metté sous pied divers comités campés pour répondre, si gain cyclone t'a frappé pays pendant le mandat, autorité yo nan ministère intérieur ak tout l'autre concerné yo pour aider yo joindre matériel pour brigade là qui c'est un corps spécial joindre moyen pour fonctionner si t'a gain cyclone qui rive sous nous. Montira Joseph, c'est coordonnateur communal protection civile dans la Gonave. Motivé de façon extra pour que nous capables affronter saison cyclonique en 2021. Lundi de façon extra, nous gain en pile moyen qui t'a dû disponible pour nous qui pas disponible. Et ressources humaines nous yo disponible à quasi à 50% jusqu'à 60% même. Et l'en parler des ressources humaines, nous gain comité communal là qui fonctionnel opérationnel et même si nous pas gain matériel pour nous foncer de travail et nous gain comité local yo qui chita dans six sections communales yo qui déjà recevoir en série de formations surtout sur sensibilisation sur système alerte précoce et que nous gain en place grâce avec un support la Croix-Rouge haïtienne qui supporte nous et fait formation pour comité yo et bay matériel pour sensibilisation sur système alerte précoce mais nous gagnons équipe d'intervention communautaire yo qui c'est un bras opérationnel
protection civile dans toute commune là, soit dans communauté communale là ou bien dans communauté locale qui pas existé en raison avec vague migratoire qui était gagné dans année passée fait que en pile jeune nous parti parce que équipe d'intervention communautaire ça n'est EICA c'est avec jeunes qu'elle formé parce que travail par là demander de moun qui plus ou moins des forces qui est fougueux et qui pas dans l'âge avancé et à cause pile monde qui a parti qui était pays là et ben ça fait toute équipe d'intervention communautaire nous écrasé dans la ville là dans la section communale tout écrasé et nous besoin mettre au sous pied nous vous rejoignons partenaire qui prêt pour aider nous. Nous pas seulement mettre au soupir. Côté nous t'a qu'à négliger formation pour communauté locale yo ou bien pour communauté protection civile yo, mais équipe d'intervention communale yo et communautaire yo, nous devons faire formation pour yo en EDAB en abri provisoire, ça yo ou devons faire formation pour yo. Mais malheureusement, nous pas gagné yo, yo pas en place. N'a travaillé avec Kazek yo. Pour nous identifier et localité qui besoin yo mais qu'on y a l'en fin identifier nous fin mettre au campé nous va les faire formation pour yo nous pendant que nous même dans protection civile nous pas moyen. Entre-temps coordonnateur communal là fini pour mander monde qui t'a rété dans zone qui gain danger yo pour yo très vigilant pour si t'a gain cyclone avant pendant et après. En Sagalé, Lagonave, Doré, Renold, Radio, Pyramide FM. Fenger Alexandre, c'est un jeune garçon, 21 l'année, qui perdit la ville dimanche soir, dans 8h30, dans Aswe, dans l'hôtel Horizon, dans Carrefour-Ferrançon, dans la ville Saint-Mac. Dossier justice, commissaire gouvernement de Gonaïve, la maître Agazius, dit recevoir rapport SDPJ à procès verbal juge de paix, tal fait sous incident qui est passé mercredi 23 juillet 2021, dans la localité Capiti, 3e section communale Bayonnais, dans la commune Gonaïve. Qui dégagne la dernière deux mouns mourir et trois les autres mouns t'es blessé dans coup d'âme qui t'est tiré dans la section communale Bayonnais, qui gagne à ouais avec cousin, délégué département de la Tibonite, là, maître Enoch Genelus. Toujours le CN Sécurité, la police dans le département de pays a crasé un groupe gang qui a fonctionné dans Zombie, une zone qui est située dans la deuxième section communale, Haut du Cap, dans la nuit 26 pour l'ouvrir 27 juin 2021. Place d'Am Gonaïve là, tourné un lieu de sécurité, qu'on a individu à prendre des mounes presque chaque soir, depuis la nuit tombée, moun bak arrivé passer dans zone place d'Am Gonaïve là, côté bandit, voleur, campé dans zone là, y a déchappé chaque grain de monde qui a passé dans zone ça. Dans ce ça, gagné un citoyen, lui, savoir, qui sont citoyens qui a vu dans la commune Gonaïve là, il réagit sur une situation ça, qu'on a demandé autorité pour sécuriser zone place d'Am là, à toute zone cathédrale, à bon marché, communal Gonaïve là. Dans le dossier sécurité toujours, ancien président, Chambre commerce et industrie pays d'Haïti, Jean-Aubert Agan, dénonce silence complice des autorités face à Zak crasé brisé, pillage qu'a fait chaque jour en dans pays d'Haïti sous entreprise privée. Yo. Mais tout, avec persécution politique qu'a fait sous quelques entrepreneurs, Jean-Aubert Agan, tout profiter, exiger pour président Chambre commerce et industrie pays d'Haïti, hein, Laurent Saint-Cyr, pour lui-même, pour réagir sur la situation qu'a traversé entrepreneur, quoi il est là, dans Port-au-Prince. Directeur exécutif RNDDH, dans la région nationale qu'a défendu droit monde, Pierre Espérance, continue à dénoncer complètement l'autorité, face avec chef fédération gang Genève en famille alliée, Jimmy Cheridi alias Barbecue, qui proclamait tête comme chef révolutionnaire, pendant ce temps, la crase brisée, dans la capitale pays à Port-au-Prince. Directrice exécutive, c'est Gilles Laplanche, sous Bopal, Jocelyne, la Noël a dénoncé lui-même tout, violence gang axam a fait dans le pays. D'après lui, ça fait partie d'un plan bien orchestré par pouvoir en place pour intimider la population qui va avoir le référendum inconstitutionnel. Le président républicain Jovenel Moïse veut faire ouais par ouais dans le pays d'Haïti. Toujours le dossier sécurité, c'est lui qui domine l'actualité dans le pays. Gemet Gardi Maisonneuve qui dénonce les actes de violence qui ont enregistré pendant le week-end passé dans le Quartier Bouquet. Le critique autorité, il dit qu'il n'a pas fait un canaillé pour capable freiner l'action bandit qui continue à imposer droit yo, fait de l'eau couler dans une population chaque jour plus. Dans l'ancien magistrat Kafouan,
Yvon Jérôme dit qu'il déplorait le comportement de la police, le fait qu'il n'a pas fait aucune intervention pour établir l'ordre dans la zone sud, capitale pays, particulièrement dans Fontamara avec Martissan, côté gang Axamio, toujours bien contrôlé. Côté population dans la zone, toujours été dans le centre d'accueil Kafouan, il y a plein de gens qui ont dit pour eux. L'autre dossier, direction départementale de la police dans la Tibonite, rencontré lundi 28 juin 2021 avec plusieurs représentants syndicats transporteurs haïtiens, qui ambitieux avec syndicat chauffeur propriétaire taxi moto pour capable réfléchir sur le phénomène insécurité qui a traversé ville département de la Tibonite et particulièrement ville Gonaïve. Dans ce sens, le président syndicat chauffeur taxi moto dans ville Gonaïve, Julio Joachandatus, qui a participé dans la rencontre là, quoique il y a protocolé ensemble avec la police pour être capable de garantir la sécurité en dans la cité. Le commissaire gouvernement Gonaïve la mettre à Gassius en dossier coronavirus, fait qu'on ait visité en pile boîte de nuit avec piscine pendant le week-end passé à El Deschita Palais ensemble avec responsable côté averti avant de commencer à poser action. De l'autre côté, le commissaire gouvernement, il était parlé tout avec responsable l'église pour respecter la distanciation sociale dans le cadre d'urgence sanitaire sous coronavirus. Là. Voilà. Merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babé à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée. We'll be right back.